Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. C'est aujourd'hui le dimanche 7 avril 2024. Il est 17h et j'ouvre la 14e vidéoconférence de la série Les Galactiques 2024. Le thème du jour est les anciens géants qui habitaient sur Terre et qui gouvernaient le monde. Je rappelle que toutes les informations que je communique dans les Galactiques 2024 sont strictement et uniquement de sources extraterrestres communiquées en noir sur blanc et en audio, notamment par mon principal contact extraterrestre Zen, conversation que j'ai enregistrée depuis le début de l'année 2016, donc voilà 8 ans. L'histoire des géants est un mélange complexe de mythes, de légendes, de récits historiques et d'interprétations modernes qui continuent d'alimenter les questionnements sur notre histoire et notre passé. Selon l'histoire terrestre, la première mention des géants date de 1297 et apparaît dans la chronique de Robert de Gloucester. Il y a donc 727 ans, et l'intérêt pour ces êtres extraordinaires a persisté à travers l'histoire. Dans l'Antiquité, les géants étaient souvent associés à des dieux, des héros ou des créatures mythiques. Les titans de la mythologie grecque étaient des géants qui ont combattu les dieux olympiens. Dans la Bible, des personnages sont à la fois très grands et très âgés. Méthusalem avait 969 ans, Noé 950, Adam, le premier homme, 930, Abraham 175, Sarah, l'épouse d'Abraham, a vécu 127 ans et Moïse 120 ans. Et cela persiste jusqu'à nos jours puisque l'homme le plus vieux du monde, le super centenaire, est un Britannique, John Alfred Tenniswood, qui est âgé de 111 ans. Il est né à Liverpool le 26 août 1912. Il est décrit comme une vraie pipelette qui continue à gérer ses comptes bancaires et à se tenir informé des news tous les jours. Et le plus grand géant humain de tous les temps est Robert Wadlow, le géant de l'Illinois, qui détient le record du plus grand homme de l'histoire. Né en 1918 aux États-Unis, Wadlow mesurait 2,72 m à sa mort en 1940. Mais il y en a eu d'autres aussi, des humains très grands, des géants. 2,67 m, 2,64 m aux USA, 2,58 m en Autriche, une femme en Allemagne, 2,53 m. Et en France, le géant des Vosges était Jean-Joseph Brice, né en 1925 et décédé en 1986. Il mesurait 2,45 m. Donc, même de nos jours, les géants ne manquent pas. La Bible fait également mention de géants appelés les Elohim et les Néphilim. Nous aborderons les Anunnaki avec Enki et Enlil, et les Elohim à partir de la semaine prochaine, les dimanches 14, 21 et 28 avril. On retrouve également les géants dans la littérature médiévale. Les récits de chevalerie et les contes populaires médiévaux ont souvent présenté des géants comme des antagonistes ou des épreuves pour les héros. D'un autre côté, et de manière peut-être plus pragmatique, les explorateurs européens ont rapporté des rencontres avec des individus exceptionnellement grands lors de leur voyage dans le Nouveau Monde. Les descriptions de géants varient selon les squelettes découverts dans les monticules funéraires en Amérique du Nord. En 1520, lors de son expédition européenne, les navires de Magellan ont navigué à travers un détroit qui porte depuis son nom, le détroit de Magellan. Il est situé à l'extrême sud du continent américain, entre la Patagonie et la Terre de Feu. Les habitants que Magellan et son équipage rencontrèrent
étaient des individus exceptionnellement grands par rapport à la taille des Européens. Antonio Pigafetta, qui est un chroniqueur italien du XVIe siècle, a participé à l'expédition lors du premier voyage autour du monde. Dans son récit, il décrit cette rencontre en disant: Mais un jour, nous avons vu un géant qui était sur le rivage. Il était si grand que le plus grand d'entre nous n'arrivait que jusqu'à sa taille et il était bien proportionné. En archéologie moderne, des découvertes archéologiques ont révélé des squelettes de grande taille dans diverses parties du monde qu'abordent trois auteurs américains. Richard Dewhurst, dans Les anciens géants qui dirigeaient les USA, qui a été maintes fois publié depuis 2013, ainsi qu'un tandem, Jim Vieira et Hugh Newman, dans le livre Les dossiers secrets des géants, publié en 2015. Ils affirment que pendant plus de 200 ans, de nombreux rapports de journaux, d'histoires locales, de lettres, de photos, de journaux intimes et de revues scientifiques ont documenté l'existence d'une ancienne race de géants qui vivait en Amérique du Nord. On dit que des squelettes extrêmement grands, mesurant 2,15 m à 5,50 m, ont été découverts dans des tertres préhistoriques, des chambres funéraires, des grottes et des champs de batailles anciens. Non seulement étaient-ils grands, mais ils avaient des anomalies anatomiques étranges, telles que une double rangée de dents et des crânes aux formes allongées à l'arrière. Bon nombre de ces découvertes ont été envoyées à l'Institut Smithsonian à Washington, D.C., et plus personne n'en a entendu parler après. Pourtant, les archives des rapports annuels du Smithsonian décrivent au moins 17 squelettes de géants. Les auteurs font état de milliers de squelettes de géants qui ont été découverts en particulier dans la vallée du Mississippi et que les découvertes s'étendent sur 400 ans. Et du complexe funéraire mégalithique de l'ère Stonehenge sur l'île de Catalina qui abrite plus de 4000 squelettes de géants, dont des rois mesurant plus de 2,75 m. Les trois auteurs révèlent non seulement que l'Amérique du Nord était autrefois gouvernée par une race avancée de géants, mais aussi que le Smithsonian est supposé avoir activement supprimé les preuves physiques depuis des siècles. Mais pour quelle raison? En tant qu'institution scientifique gouvernementale, le Smithsonian a suivi la convention narrative de l'époque. L'idée d'une race ancienne de géants ne correspondait pas à la vision dominante de l'histoire humaine. L'existence de géants remettait en question les récits historiques traditionnels. Les preuves de géants auraient pu contredire aussi l'idée que les premiers habitants de l'Amérique du Nord étaient des groupes de chasseurs-cueilleurs plus petits. Et il y avait aussi des intérêts politiques et institutionnels qui pouvaient également avoir joué un rôle. La suppression des preuves aurait pu servir à éviter les controverses, à protéger la réputation de l'institution et à maintenir son financement. Toutes ces versions sont des faits réels de notre histoire qui ont été interprétés au fil des siècles et qui ne sont plus maintenant que contes, mythes et mystères. Voyons maintenant ce qu'en disent mes contacts extraterrestres. Ils disent que la Terre a été visitée d'innombrables fois par des lignées extraterrestres qui y ont laissé leur influence et qui coexistaient librement. Parmi ces races, il y avait les Atlantes qui viennent non pas de l'Atlantide, qui était d'origine reptilienne, mais du système solaire Atlas dans la constellation du Taureau M45 et l'amas des Pléiades. Ce sont quelques-uns de ceux qui sont appelés des géants et ils coexistaient avec d'autres races qui étaient également très grandes. Ceux qui sont représentés sur les tablettes sumériennes,
étaient apparemment des reptiliens représentés comme de grands hommes barbus. Cependant, les Atlantes des Pléiades ont également des barbes et une taille similaire, ce qui rend difficile de suivre et d'expliquer ce moment historique avec précision. Les Pléiadiens Atlantes mesurent de 2,50 m à 3 mètres de haut. Leur peau est de couleur cuivrée. Ils ont des cheveux et une barbe brune ou noire, des yeux bleus, verts ou marrons. Les Pléiadiens Atlantes, et non pas les Atlantes de l'Atlantis, ont influencé plusieurs zones d'Amérique du Sud. Leur dernière visite remonte à il y a 600 ans, dans la région qui est aujourd'hui le centre du Mexique, Tula Hidalgo, Atlantes, mais ils ne sont pas revenus depuis. Parmi les races présentes à cette époque, il y avait aussi les Pléiadiens de Céléano et des colonies andromédiennes qui s'étaient installées dans la région qui est aujourd'hui l'Inde et le Pakistan. Ces deux races étaient très grandes. Les Andromédiens font de 2,40 m à 2,70 m et tout autant que les Pléiadiens de Céléano. Ces races ont semé de nombreux concepts qui serviront, les Andromédiens notamment, qui serviront plus tard de base à l'enseignement du Bouddha. De nombreux dieux bleus, comme Shiva, étaient des extraterrestres et Shiva est encore vivant, d'après ce que m'a dit Zen. Ils étaient simplement des extraterrestres de la branche génétique d'Andromède qui a la peau bleue. De plus, les écritures, comme le népalais, sont préservées avec jusqu'à 90% de similitudes avec la symbologie et l'écriture de la langue moderne andromédienne extraterrestre. Plus récemment, dans l'actualité, pendant l'occupation américaine de l'Afghanistan, de 2001 à 2021, de fortes rumeurs se sont répandues à travers les réseaux sociaux, selon lesquelles des soldats américains étaient entrés dans des grottes profondes et avaient combattu des géants. Cela soutient l'idée que ces géants étaient des survivants de la Tartarie et qu'ils se sont retrouvés dans ces grottes parce que l'Afghanistan ferait partie de l'ancienne Tartarie qui s'étend vers la Mongolie actuelle. On raconte qu'ils avaient six orteils et une double rangée de dents. Et effectivement, certaines lignées extraterrestres ont six doigts et six orteils. Ils étaient roux et très sauvages. Les militaires américains les auraient emmenés sur deux hélicoptères CH-47 Chinook. Cet événement indique qu'il y aurait encore des géants survivants qui se cachent dans des bases souterraines appelées DOMS, Deep Underground Military Bases, comme celle de Dulce au Nouveau-Mexique, qui est en fait un laboratoire, un biolaboratoire militaire conjoint entre les humains de la Kabbale et les reptiliens appelés maîtres, qui eux également sont grands. Ils font entre 2,40 m et 3 mètres. On pourrait donc dire qu'une grande majorité de lignées extraterrestres sont grandes et susceptibles d'être considérées comme des géants et la source probable de tous les contes et les mythes sur Terre. Voilà.